Salut tout le monde, c'est Jocrème et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 du guide pour bien débuter à Minecraft version Xbox 360. Donc aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que... J'ai changé de skin et je suis en compagnie de Monsieur Fellman et de Frost83. Salut, bonjour, je suis Frost83 et Monsieur Fellman. Bonjour, voilà, donc il y a... Monsieur Fellman alias Monsieur Cetix et Tuzik le fou. Voilà, donc non, Toto le fou, Tuzik le fou. Ouais, c'est... Et lui là, ben, j'ai envie de voilà, faire, donc mais... tu sais que le fou, placement de produit, placement de produit, placement de produit. Donc aujourd'hui, je vous avais dit, on va faire qu'un épisode consacré aux Nether, hein, parce que si j'ai tout fini, on s'arrêtera là. Donc je vous avais déjà présenté les... J'ai parlé de l'épisode. Ouais, t'as regardé que le début. Ouais. Donc je vous ai présenté les pigmen, hein, les hommes cochons. Qui, dès qu'on les attaque, et tout leur ami homme cochon. Cette fois, vas-tu nous sortir une blague avec mon ami là. Voilà, je me dis, c'est un peu ma blague en fait à la base. Oui, mais en fait. Et je lui fais, vas-y, cap. Non, mais en fait, monsieur Fellman, c'est la boîte à blagues de Jocrème en fait. Et ouais, et là, genre, ça passe crème comme Jocrème, c'est moi. Et genre, je vais, cap, tu vas faire en vidéo et tout, ok. C'est honteux, tu sais, c'est honteux. Je sais pas, mais non, en fait, j'ai pas présenté la sous-scène. Voilà. J'ai présenté la Netherrack, la Gloustone. Voilà, c'est un fail. Donc voilà. Comme aussi la sous-scène. Voilà, c'est de la sous-scène. La terre du Nether. Voilà, c'est un peu de la terre. Et je vais vous montrer, regardez. Vous voyez, quand je marche dessus, je ne suis pas en. Alors, je ne suis pas en petit. En s'accroupie. Voilà. Et regardez, là, vous voyez, je marche, hop. Et d'un coup, hop, ça me remet ici parce que je suis sur des Netherracks. Et là, sur de la soul-sand, ça nous fait marcher en fait. Et la soul-sand aussi, ça sert pour les faire du Nether, non? Oui, exactement. Mais on va pas trop spoiler avant qu'on en trouve une en fait. Spoil. C'est quand même un guide, hein. Ouais. Par contre, je voulais vous dire aussi. Parle pas de un petit peu. Ah spécial, parce que moi, Epic Fail. Epic Fail. C'est très simple. On vient de rentrer de la Goblet One, donc le festival du jeu vidéo de guerre. Oui, on prend un Goblet One. C'était super. C'est bien éclaté. Je sais pas si certains d'entre vous y étaient, mais je sais pas. Tu peux te rapprocher de la caméra, s'il te plaît, on t'entend pas très bien. Ah, d'accord. Confortablement. D'accord. On vient de rentrer de la Goblet One, donc le festival de jeux vidéo de Yann Le Palmier. C'était la place 3000, je sais pas si c'était... ouais, on s'en fout un peu, hein. Je sais pas si certains d'entre vous s'y sont rendus, mais... J'ai pas de pioche. J'ai pas de pioche. En tout cas, il y a 20 000 fonds sous terre. Donc voilà, on est rentré dans Gopé, ouais, c'était super. Bon, je sais pas s'il y en a de vous qui y étaient, hein. Oui, c'est ce qu'il y a dit il y a deux secondes, hein. Je sais rien. Oui, non mais... En fait, on avait un peu peur de vous décourager à la Gopé, ouais, parce que... J'ai un peu peur que ça fasse. Je crème, c'est lui, je crème. Ouais, je me désabonne. C'est lui, je crème, je me désabonne. Donc, je vais faire une ellipse, le temps de remonter en haut. Et c'est moi, petite ellipse. C'est lui, je crème, je me désabonne. Je remonte en haut et je vais chercher mon stuff en passant. A tout de suite. Oh, voilà, donc je suis remonté en haut. Par contre, la j'ai tout ramassé sauf la soul-sand. Je crois qu'elle est passée en feu, genre un gaz. Je sais pas, ouais, je crois moi aussi. Donc un petit ami homme cochon. Ouais, mais si t'es tombé là, ouais, c'est sûr qu'il y a du feu là. Vas-y, tombe. Ouais. Pétage de genoux. Trop fort. Donc j'étais en train de dire quoi? Que tous mes abonnés devaient se désabonner. Ouais. Bah, parce que ça donnait ça. Ça donnait. Salut, je traîne. Ok, je me désabonne. Genre, prends un peu de la soul-sand. Je me désabonne. Salut, je traîne. Ouais, je traîne. Non mais celui-là je crève dans la voiture. Ouais, je me désabonne. Il est là. Désabonne, celui je crève. Me désabonne, vite. Donc il faut vraiment que je trouve un gaz, tu as ah non, je peux entrer les gaz. Bah, voilà, c'est des gros machins qui des... Et ça fait des bruits de chat aussi. Ouais, ça fait des petits miaou, bruits. Miaou. Voilà. Ça fait des bruits de chat. Les chats qui ont pu le quartier. En fait, c'est l'équivalent de la terre en fait. Mais plus chiant. Voilà. Un ghast qui tire des boules de feu, enfin des boules de charbon.
dans l'ancienne mise à jour qui tirait des boules de neige enflammées. Sérieux? Oui. C'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'on est dans un épisode du Geek pour aller buter Minecraft. Oui, bon, attention! Ils font quoi? Ils font quoi? Oh, non! Oh, la chance! Ils font quoi, les gars de Mojang? Les gars, ça va être des animaux, ils vont être dans la lave et tout, et ils vont lancer des boules de neige enflammées. Des boules de neige enflammées! Oh, puis ma mère qui meurt. J'ai l'impression qu'on est dans un épisode du Geek pour bien. Bien déconner à Minecraft. Voilà. Super! Donc ça c'est un cube de magma, je l'avais un cube de magma peut-être voilà. Déjà montré, oui je l'ai déjà montré. Non, j'ai pas montré les loots. Si tu l'as montré. Non, il m'a pas donné de loot. Donc j'ai pas fait si t'en as. Katagida. Non, il m'a pas donné. Il se multiplie. Alors donc le cube de magma comme vous voyez se multiplie un peu comme les slimes, je sais pas si vous avez. Non, j'ai pas encore montré les slimes. C'est l'équivalent du cube de magma mais dans le monde normal, c'est tout vert. C'est tout vert et ça donne des boules gluantes. Et là vous voyez ça verra. Non, c'est vrai, faut que je les tue à la main pour avoir plus de chance. Mais non. Des loot, un truc comme ça. Mais non, mais c'est normal que ça donne pas de loot. Non, je crois pas. Non. C'est une habitude. Ouais, oui, c'est une habitude de la malchance de jeu près. Ouais, ça. Bah ouais, mais c'est ça malchante. Et ça. Ah, oui, ouais. En fait, tous les monstres, tous les mobs du Nether sont cheatés à quel point qu'ils peuvent nager dans la boutance Nick. Non, pas les pigmen. Si, les pigmen aussi peuvent. Les pigmen pas de dégâts. Hein. De quoi? Non, il prend pas de dégâts, lui même. Non, il prend zéro dégâts. Vous remarquerez bien que moi je suis vraiment un joueur PC. Hein. Eh bien, c'est. Ouais. Je me transpire en Xbox. Tous les trois, on est aussi des joueurs PC aussi. Voilà. Après, on fera des vidéos. Rassurez-vous, on fera des vidéos PC. Hein. Bah, on fera un peu de vidéos PC. On va peut-être faire un Fallen Kingdoms si on arrive à trouver un serveur. Bah, ouais, si on arrive à héberger un serveur. Ouais, c'est pas mal. Surtout, le problème, c'est que Jocrem, il a un portable qui est. Enfin, il a un petit portable qui est à lui, mais qui. Enfin, qui est à lui, mais qui. C'est pas vraiment. Il est pas vraiment. Enfin, Minecraft ne supporte pas trop Minecraft. Tandis qu'il a un PC à ça. Non, c'est un PC qui supporte pas de PC. Ouais, c'est un PC. C'est un PC mais c'est fait pour décorer. Voilà, c'est. Non, en fait le PC ne supporte pas l'internet. Donc c'est encore pire pour Minecraft. J'ai ma petite Minecraft, enfin, moi j'ai un portable, j'ai une seule PC, mais ça. Enfin, Et aussi, moi ça va parce que j'ai sur un gros Windows 8 de bureau, le truc qui démarre en 20 secondes. En fait, vous savez peut-être pas ce que je fais, mais je cherche une forteresse de Nether. Quoi? C'est quoi ça? De la bedrock. Un mur de bedrock. Non, pas ça sur PC. C'est pas ça, mais hein. Mais la version Xbox est très différente de celle sur PC. Déjà les noms, la moitié c'est pas ça. Hein, les noms. Et je sais pas, mais. La bedrock, je vous rappelle, est une couche incassable. Hein. Ouais, c'est un truc à part en créatif sur PC. Hein, oui, en créatif sur PC. Sur PC, on peut même casser le dernier, le bloc de la couche 1, et on peut tomber je sais pas si on peut appeler ça une dimension parallèle. En fait, c'est le void, c'est ce qu'il y a en dessous de la couche 1 de la bedrock. Si on tombe là-dedans, même si on est créatif, on meurt quand même. Même si on est créatif. C'est dément ça. J'étais jamais mort en créatif, mais c'est dément de mourir en créatif. Ouais. Non, c'est nul. Non, c'est dément. C'est nul. Je crois que tu devrais faire une vidéo genre les différences de Minecraft PC et Minecraft Xbox. Oui. Pourquoi pas? Nous les joueurs PC, on pourrait. Enfin, moi et M. Superman, on pourrait faire un guide de PC. Oui, c'est pas mal. Pour faire deux visions, enfin. Voilà, oui, mais vraiment c'est différent parce que. Comment dire, la bedrock, c'est différent. Il y a les noms qui sont différents. Et puis il y a certaines directions. Je veux dire, certaines options qu'il n'y a pas sur Xbox et sur PC. Certaines options qu'il y a sur Xbox et pas sur PC. Je veux dire un truc, parce que peut-être ça paraît nous pour les joueurs. Pas les joueurs fort, Xbox. Enfin, ça paraît nous peut-être pour les joueurs. Enfin, Xbox. Surtout sur PC, on a beaucoup plus de liberté. Parce que les serveurs sur Xbox sont pas. En fait, sur Xbox, Minecraft c'est pas fait pour être sur un serveur. En fait. Non, c'est vraiment pour jouer en solo. C'est vraiment pour jouer en solo. Ou à deux, tu peux pas héberger un gros serveur, c'est sûr. Un gros serveur. Vous voyez maintenant les serveurs français, ils ont carrément des blocs réalisés par eux-mêmes. C'est combien de minutes qu'on filme? Je sais pas, 9, 10.
10 minutes aussi. Ouais. Donc voilà, c'est en train de dire quoi. Ouais, on a beaucoup plus de liberté sur PC. Parce qu'on déjà on a les, sur les serveurs modernes, on va dire. Mais non, moi ce que je trouve c'est que vraiment Microsoft met beaucoup de temps à adapter les mises à jour, genre nous on a des texture packs. Je pense que les modes et texture packs sur Xbox, c'est bien. Mais il y avait une rumeur comme quoi ils allaient ajouter des modes sur Xbox, mais c'était payant. Surtout que sur PC, c'est tout gratuit. Les skins, les packs de textures, alors que sur Xbox. Mais Microsoft est bon, hein, c'est Microsoft qui est bon. Hein. Ouais, c'est. Microsoft, c'est des. Vous vous rendez compte, moi j'ai la PS3, et je trouve ce qui est. Sony est plus généreux que Microsoft. Oui, mais, Microsoft, en fait, c'est des. Je sais pas si j'ose le dire en fait, parce que. Des bombeurs, voilà, qu'ils abusent un peu sur les prix quoi. Mais je trouve le truc Xbox Live est payant. Est payant et limité, alors que sur PS3 c'est illimité. Mais après, on peut dire ça aussi, mais le réseau, enfin le truc en ligne. Il y en a qui trouvent que c'est une meilleure qualité sur PS3. Bon, sur PC, on a beaucoup plus de liberté, notamment qu'on puisse faire des serveurs personnalisés, on puisse installer des mods gratuitement, des packs de textures, des skins gratuits. Ce serait dommage que Microsoft pompe sur les texture packs et les mods. Ce que j'ai jamais reproché sur Xbox, c'est qu'il y a toujours une bonne connexion. Une bonne connexion Xbox. C'est sûr, tu craches jamais sur Xbox, tu craches jamais. Des fois, soit t'as des très gros lags. Enfin, en général, quand t'as des très bonnes. On le voit, les rollbacks. Nako, hein, quoi. T'as pas une méchante. On a été pour les 20 heures. Excuse-moi, excusez-nous pour le temps de discussion qu'on a sur le débat entre PC et Xbox. C'est un peu une vidéo freestyle, on va dire. Enfin, vidéo plus qu'on puisse. Il y a plein de trucs. Ce qu'il y a sur Xbox, c'est qu'on peut pas cheater en fait. Ouais, ça c'est bien. On peut pas cheater. Ça c'est super bien. On peut pas cheater. Alors, contrairement sur PC, où il y a. Je sais qu'en modifiant le Minecraft pour genre, on peut voir le vrai nom des enchantements. Par exemple. Mais après, il y a plein d'astuces de glitch. Non, mais après, tu peux avoir une astuce facilement pour faire genre. T'as tout fait en survie. Tu fais un save de ton monde. Tu crées tout en créatif et après tu remets ta save de ton monde. Ce qui fait que ton monde sera toujours en sans commande et tu auras fait des commandes, tu deviens créatif. Surtout pour gérer un serveur sur PC, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr. C'est beaucoup plus facile. Moi, je trouve ce qu'il faut, c'est que. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Minecraft Xbox. Il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas de serveur. En fait, c'est que Minecraft Xbox n'est pas assez connu en fait. Il y a beaucoup de joueurs, mais c'est pas quelque chose qui est très aimé sur Xbox Minecraft. Parce que quand tu tapes Minecraft sur YouTube, beaucoup plus de la moitié sur PC. Moi je dis une vidéo sur 50, c'est une vidéo sur Xbox. Hein. À part Jocrème et quelques youtubeurs pas trop connus. Comme Jocrème. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur Xbox. Ouais. Enfin, pas beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs sur Xbox, mais pas qui passent toute leur vie sur de YouTube sur Minecraft Xbox. Que j'ai eue. Donc on va faire, on compte en faire des vidéos Minecraft aussi. Excusez-moi, mais je vais faire une ellipse, le temps de trouver une forteresse du Nether, parce que là vraiment j'en trouve pas. Donc je vais vous dire à tout de suite. Ellipse. J'ai cru que j'avais pas relancé la vidéo. Donc je viens de trouver une forteresse du Nether. Et les gars, c'est dessus quoi, non hein. Donc voilà, ça c'est de la brique du Nether. Voilà, c'est très joli. Ah oui, vous avez annoncé un truc.
Parce qu'on compte, en fait, on a une chaîne collective, nous trois. Oui. Ouais, chaîne collective. Enfin, je crois sa chaîne solo. Mais je pense qu'on aura chacun une chaîne solo avec une chaîne collective. Non, moi je ne crois pas une chaîne solo. Voilà, parfait. Tu fais pas vraiment de vidéo. Bah non, tu fais une vidéo. Là, s'il vous plaît, Si il y en a en commentaire qui ont vu la vidéo pour Je Crème. C'est pour ceux qui l'ont vu, c'était total freestyle. Et si quelqu'un met, j'ai vu cette vidéo. Attendez, excusez-moi. Si quelqu'un met, j'ai vu cette vidéo. Tous ceux qui voient la vidéo mettent un j'aime à ce commentaire. Voilà. Et juste, mais cette vidéo en fait c'est au début avec Je Crème. Pas une ressemblance entre Je Crème et les Blaze devant. J'étais sur Skype avec Je Crème et il fait pourquoi tu fais pas de vidéo. Je fais je sais pas, j'ai pas trop envie. Et je fais une vidéo fun alors. Je fais ok, je fais une vidéo fun sur mon village que j'ai fait. Mais en fait c'est un village de PNJ. Oui, en fait c'est un village de PNJ que j'ai amélioré, mais enfin j'ai arrêté parce que c'est m'énerve. Je sais pas trop comment ça a été filmé, je sais pas si ça a filmé avec un iPhone ou en fait le curseur en fait était en bas en haut à droite de l'écran. Et si vous voulez voir la tête de Je Crème, c'est la voix de Crème. La tête de Je Crème. C'était énorme. Et ensuite, mais je pense que tous les abonnés qui vont voir cette vidéo vont perdre l'espoir, Je Crème. Oui. C'est comme le truc que j'ai dit tout à l'heure. Salut, Je Crème, vous abonnez. Ouais, ça, voilà. Voilà, donc je viens de trouver la forteresse Miniseur. Et dedans, il y a un spawner à Blaze. Alors, le Blaze, voilà, c'est ça. Bâton Blaze. Et ça drop des bâtons de Blaze. Bâton d'incendiaire. De feu. Bâton de feu qui vont servir à créer des alambis que je vais parler dans plus. Il y a deux poudres de feu. Tu as un compte à celui le guide. Bah, à partir de quel est ton objectif? Quand j'aurai tué l'Underdragon. C'est moi. Je fais toujours des bruits bizarres. Tous les Underdragons? Non, je vais mourir, je suis trop content. Mourir, c'est mal. Ouf. Attendez, je reviens après, je me refile. A tout de suite. Pouf, c'est bon, pouf. C'est plus calme. Non, j'ai les fils. J'espère qu'il n'y a plus rien. Non, c'est bon, ça a déspawné. Ça respawn. J'ai un peu rangé mon inventaire. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Mettez les pouces. En fait, t'as fait une liste pour rien. Ça fait plaisir. Oui, je comprends. Et ça suit le monde en fait. Ouais, mon ellipse ne servait à rien. Allez, dis ciao à la caméra, Monsieur Feldman et France 83. Au revoir à tous. Au revoir.